oh Les potes, c'est SunTed. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça super. Et aujourd'hui, les potes, attention, attention. Pourquoi Car franchement, il faut que je vous dise quelque chose. Vous allez voir, c'est assez ouf. Mais juste avant, comme d'habitude, je vous envoie le sommaire. Alors préparez-vous, installez-vous. Je vous envoie le sommaire tout de suite. C'est parti. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on parlera des changements qui sont prévus pour la prochaine mise à jour. Cela concerne les points de vie que l'on va pouvoir récupérer. Et vous allez voir, Epic Games ont fait une annonce officielle qui nous dit clairement ce qui va se passer prochainement on parlera aussi d'un nouveau record du monde qui a été battu et vous allez voir clairement ils ont fait encore plus fort que la dernière fois on parlera aussi du mode mini battle royale vous allez voir les potes Epigames a aussi fait une annonce officielle concernant ça et c'est une très très bonne nouvelle on parlera aussi du voleur de cœur comme vous le savez c'est un personnage que l'on connaît très bien car il a fait son apparition il y a un bon moment il a aussi fait son apparition en version complètement démoniaque et cette fois-ci si je vous dis que j'ai pu vous dégoter une petite vidéo de ce Personnage en version féminine, préparez-vous les potes parce que c'est une photo juste exceptionnelle. On parlera aussi d'une musique qui doit arriver prochainement sur Fortnite. Il s'agit d'une musique que vous avez déjà entendue, vous allez voir. Et je suis vraiment impatient qu'elle fasse son apparition. On parlera aussi de quelque chose. Il faut que je vous montre une photo. Il s'agit de la pire crainte que l'on peut avoir sur Fortnite. Vous allez voir, c'est juste complètement vrai. Et personnellement, heureusement que ça ne m'est jamais arrivé sur Fortnite. Et enfin, on parlera. Attention les potes. De l'arc, la nouvelle arme qui va faire son apparition et du skin secret que l'on va probablement découvrir en faisant des recherches sur le site de Dusty Depot. Vous allez voir, j'ai des preuves à vous montrer et des vidéos, ça va être juste complètement ouf. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour absolument tout savoir. Alors, du coup, on va commencer la vidéo tout de suite, mais juste avant, n'oubliez pas de me soutenir dans la boutique du jeu si vous voulez aider la Team Sun Ted à participer au projet. Car oui, je le rappelle que c'est grâce à vous que je peux continuer et créer de nouveaux projets pour vous et pour la Team Sun Ted. Alors, je compte vraiment sur chacun d'entre vous pour me soutenir dans la boutique Sun Ted, s u n -T, t e d Ça me fait vraiment super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de me bombarder barre le pouce bleu. Et du coup, on commence la vidéo tout de suite. C'est parti. Alors, pour commencer cette vidéo, il faut que je vous parle de changements qui ont ont été annoncés par Epic Games et quand je dis changement c'est peut-être que ça ne va finalement pas changer vous allez voir pourquoi cela concerne la mise à jour sur 8.20 qui avait suscité de nombreuses critiques Parmi énormément de joueurs sur Fortnite. Et là, il y a le poteau ninja qui a créé le 30 mars un espèce de sondage à l'intérieur duquel il demandait sur Twitter s'il si préférait que Epic Games décide de remettre l'ancienne mise à jour ou sinon s'il si demandait de rester avec la méta actuelle. Et eh bien, il faut le savoir, les potes. Plus de 300 000 personnes ont participé à ce sondage et 90% environ ont répondu qu'ils préféraient la mise à jour précédente. Alors là, clairement, ça a fait écho chez Epic Games. Je le rappelle, Epic games et un créateur de jeux vidéo qui décide de souvent écouter sa communauté, mais pourtant ils ont annoncé dans un petit communiqué officiel qu'à l'heure actuelle ils n'avaient absolument pas prévu de revenir dans la mise à jour précédente, malgré le fait qu'ils écoutaient toujours l'avis de la communauté. Mais de toute façon, rassurez-vous, je pense que Epic Games vont finir par le rajouter, car oui, si tout le monde le demande, je pense qu'ils vont finir par le faire. Alors voilà, vous les potes, est-ce que vous êtes plus pour l'ancienne mise à jour ou vous êtes plus pour la nouvelle qui ne permet plus de récupérer? des points de vie et des constructions lorsque l'on kill un joueur. Alors j'attends vos retours dans les commentaires. Allez maintenant il faut que je vous parle de quelque chose d'une fois de plus extraordinaire. Un nouveau record a été battu et il s'agit de Diesel et Jacob, des joueurs assez connus qui ont réalisé le nouveau record du monde en duo vs squad avec pas moins de, attention, 51 éliminations. Alors déjà on le sait le niveau des joueurs s'améliore de plus en plus et en moment, en plus, où ils avaient battu ce record du monde, il y avait la mise à jour. 8.20, ce qui permettait aux joueurs de récupérer de la vie. C'est sûrement grâce à cela qu'ils ont pu faire autant de kills. Malheureusement, comme vous le savez, la mise à jour n'est plus d'actualité. Alors, est-ce que ce record du monde va être battu? Probablement oui. Mais seulement si Epic Games remet l'ancienne mise à jour. Alors voilà, clairement 51 éliminations. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plus de la moitié des joueurs qui jouent dans le mode Battle Royale en une seule game. C'est juste extraordinaire. Alors, que pensez-vous de ça, je pense que le prochain record de kill sera battu et il sera de 52 kills. Car oui, clairement, je vous le dis, les paliers sont assez chauds à passer. Alors, en tout cas, on verra tout cela très prochainement. Et rassurez-vous, je ne manquerai pas de vous tenir au courant lorsqu'il y aura un prochain record du monde. Allez, maintenant, il faut que je vous parle de quelque chose qui risque de révolutionner Fortnite dans les chemins à venir. Epic Games ont pour objectif de développer une version miniature du mode Battle Royale pour que les joueurs puissent en profiter dans le mode créatif, et ça c'est une très bonne nouvelle, en gros ça serait exactement la même chose que ce que l'on connaît actuellement dans le mode Battle Royale, mais sur une carte beaucoup plus petite. Alors, il faut le savoir, Epic Games reste très mystérieux concernant ça, malgré le fait qu'ils ont dit qu'ils mettaient au point un système en mode créatif qui permettrait aux joueurs de simuler un mini jeu Battle Royale entre amis. Donc là, clairement, ça veut dire ce que ça veut dire et ça, je vous dis, ça va être juste complètement ouf. Et je le rappelle, le mode créatif a été introduit sur Fortnite lors de l'arrivée de la saison 7. Ça permet aux joueurs de créer leurs propres îles et d'ajouter énormément de constructions. Alors franchement, c'est juste un mode super top que je vous invite à Essayez si, si jamais vous n'avez jamais essayé ce mode parce qu'il est juste quand même assez incroyable. Allez maintenant il faut que je vous parle du skin voleur de cœur. Vous le connaissez sûrement car oui on en a entendu parler pendant tellement longtemps que il fallait qu'on ait une genre de variante de ce fameux skin. Et eh bien les potes ça tombe bien. J'ai pu vous dégoter une petite photo de ce skin, mais dans sa version féminine, c'est quand même une photo assez rare que je vais vous montrer. Mais vous méritez largement de la voir. Alors regardez-moi la petite photo que je vous affiche tout de suite à l'écran. Alors que pensez-vous de ce personnage là? Et je suis vraiment impatient que ce personnage fasse son apparition sur Fortnite car je vous dis ce personnage a carrément sa place allez maintenant il faut que je vous parle de quelque chose êtes vous pour le retour ou non des 10 mini popo car comme vous le savez actuellement on ne peut plus stocker que 6 mini pop contrairement à 10 précédemment et ça on n'en a pas assez parlé c'est pourquoi aujourd'hui je vous pose la question: même si je connais sûrement déjà la réponse. Mais quand même, on sait jamais. Alors vous êtes plus pour les 6 mini pop ou les 10? J'attends de le savoir dans les commentaires. Allez, maintenant il faut que je vous parle d'un son qui pourrait arriver sur Fortnite. Et il s'agit d'un son que l'on connaît superbement bien les potes. Pourquoi? Car il s'agit du son de ce planeur. Regardez-moi la petite photo que je vous affiche à l'écran. Et là, énormément de joueurs de la communauté ont demandé à Epic Games d'ajouter ce son dans le futur passe de combat. Et franchement, je me dis, pourquoi pas, j'attends vraiment le jour où Epic Games vont décider d'ajouter des musiques que l'on va pouvoir directement acheter dans la boutique du jeu. Car oui, ça c'est quelque chose d'inédit qui n'est encore jamais arrivé sur Fortnite. Et je pense que ça pourrait faire carrément la différence. Alors que pensez-vous de ça Si vous êtes aussi d'accord avec moi, les potes, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, on pourra faire remonter l'information à Epic Games. Allez, maintenant, il faut que je vous parle de la pire crainte de tous les joueurs sur Fortnite. Et vous allez voir, à mon avis, vous allez être assez d'accord. Avec moi, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il se passait, s'il est resté énormément de joueurs dans la dernière zone? Mais quand je dis énormément de joueurs, attention, on parle pas de 10 ou 20 personnes, on parle de, attention, 75 personnes. Alors regardez-moi la petite photo que je vous affiche à l'écran, et là, j'aimerais avoir votre réaction. Moi, personnellement, si quelque chose comme ça arrive, je me dis, ok, là, il va falloir construire un méga fort pour se protéger, car à mon avis, sinon, ça risque de partir en sucette choupa choupa, c'est moi qui vous dis. Et je sais même pas comment ça va être possible de faire autant de kills dans une zone aussi réduite. A mon avis, ça risque d'être complètement n'importe quoi. C'est moi qui vous dis, alors vous, qu'est-ce que vous tenteriez dans ce genre de situation Eh bien, les potes, j'attends de le savoir dans les commentaires. Allez, maintenant il faut que l'on parle de la nouvelle arme qui va prochainement arriver sur Fortnite. Il s'agit de l'arc. Et on le sait maintenant, elle va t arriver très, très, très prochainement. Il s'agira d'une arme explosive. Et ça, je vous dis, ça va être juste dingue. Car oui, c'est vrai que c'est pas souvent que Fortnite rajoute des armes Explosif dans le jeu, alors ça, ça va être vraiment quelque chose à ne pas manquer, peut-être même dans la prochaine mise à jour. Qui sait, car oui, Epic Games n'a pas communiqué de date officielle concernant la sortie de cette arme, mais rassurez-vous, dès que j'aurai plus d'informations concernant ça, je ne manquerai pas de vous tenir informé. Allez, maintenant il faut que je vous parle du skin secret et il y a de fortes chances que l'on sache où est-ce qu'on va pouvoir le découvrir. et eh bien, les potes, tout cela va se passer du côté de Dusty Depot. Pourquoi Car je le rappelle, actuellement, les scientifiques sont en train de mener des recherches à deux petit dépôt et tout ce que je peux vous dire c'est que en fouillant ils vont forcément finir par trouver quelque chose en plus il y a pas mal de petits bugs qui arrivent un peu partout sur la carte de Fortnite et qui permettent à certains joueurs de voir des trous qui ne sont pas encore apparus sur la carte alors je vous le dis à mon avis tout cela cache quelque chose de complètement ouf il va falloir continuer de mener l'enquête car je vous le dis ça va être juste complètement dingue allez je vais maintenant passer au moment de la vidéo où je prends le temps de remercier ma superbe communauté et je vais vous afficher la création d'un abonné pour ne pas changer Alors voilà un grand merci à toi Et n'hésitez pas à continuer de m'envoyer vos créations ainsi que vos gameplays Parce que moi ça me fait super plaisir Voilà c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas N'hésitez pas à la bombarder de pouces bleus, à la partager Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Et pour un prochain live, ciao les potes